Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Moi ça va super, vous avez vu, j'ai réussi à me réveiller tôt ce matin. Je me suis levé à 5h, j'ai mangé un bout, j'ai répondu à certains de vos commentaires. Dans une de mes dernières vidéos, je vous demande de me laisser des commentaires. Et vraiment, ça me fait super plaisir, surtout continuer. Hein. Bah alors du coup, comme vous êtes de plus en plus nombreux, bah ça me prend de plus en plus de temps d'y répondre. Donc désolé si les délais s'allongent pour les réponses. J'aime vraiment beaucoup ce front de mer ici, c'est vraiment super joli. Ça me plaît beaucoup ce que je vois là-bas. Je vais zoomer et je vais vous montrer ce qu'il y a juste sur ma gauche. Ça pique un peu, hein, les amis. Hein. J'ai les yeux là qui brûlent un peu. Ouais, j'ai pas assez dormi clairement. Je sais pas encore ce que je vais faire du coup parce que bah là il est 6h. Ça fait un peu plus d'une demi-heure que je suis arrivé ici. Je vais voir si je peux pas monter là-bas. Puis après on va aller se prendre un café. Le problème c'est que les cafés ici ils ouvrent assez tard. Sinon bah j'y reçois 7-Eleven. Hein. J'aime vraiment beaucoup ce front de mer. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète. Hein. C'est très très joli avec les montagnes de part et d'autre, la jetée là-bas un peu plus loin, le temple qu'on va aller voir juste après là, qui est en haut de cette petite montagne. Là, c'est visuellement, c'est très très joli. Hein. On n'est pas bien là. Hein. Non, franchement. Moi, je vous le dis, on est vachement bien. Là. J'ai bien profité de la vue, hein. Ça fait plus d'une heure que je suis là. Il est l'heure de bouger et d'aller voir ce temple en haut de la montagne juste face à moi. C'est tellement stylé et puis bah forcément pour arriver en haut, hein, il va y avoir plein de marches à monter. Vous connaissez mon amour des escaliers, surtout mon genou gauche qui adore ça. Allez, c'est parti. Mala ling. Monkey. Ah, for monkey. Hey, pop, pop. Yes. Yes. Ah, ok. Oh putain, s'il faut que je me batte avec les singes pour monter là-haut. Ah, je vous raconte pas, les gars. Oh, ah, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça m'a un peu surpris, hein. Je dois avouer que je m'attendais pas à ça. Me voici arrivé au Wat Khao Chong Krajok. Comme vous avez pu le voir précédemment, on m'a donné un bâton. Alors le monsieur qui vient de monter là à l'instant, il a également un bâton et il tape sur les marches. Et apparemment, faut faire du bruit pour faire peur aux singes. Alors, est-ce qu'ils sont agressifs? Est-ce qu'ils sont... J'ai jamais eu de problème avec les singes jusqu'à présent, mais... Il y en avait pas mal en bas quand même. Hein. Je vais suivre le monsieur qui est devant là, c'est bien. Il ouvre la voie, moi ça me va bien. Ah, il y a des crottes de singes partout sur les marches là. Enfin, partout, j'exagère, mais... Ouais, il y en a pas mal quand même. Hein. Putain, il est vénère l'autre là-haut. Il secoue les branches comme un taré. Oh là là. Je dois bien vous dire que je me sens pas du tout chez moi là. Je pense qu'ils ont l'habitude de voir des bâtons, parce qu'ils s'écartent tous devant moi en voyant le bâton. Ils doivent savoir qu'un humain avec un bâton entre les mains, ça peut taper fort. Oh non, ne me dites pas que c'est fermé. Oh non. Google Maps indique que c'est ouvert 24 sur 24. Alors, hein? Bon, en même temps, la fiabilité Google Maps ici en Thaïlande... Putain, faut se calmer les gars là. Il y a du barbelé tout autour de l'enceinte du temple pour pas que les singes rentrent dedans. Alors non seulement il y a du barbelé, mais alors en plus il a l'air d'être électrifié. Ah voilà, c'est ouvert, super.
Là, on voit vraiment bien où j'étais hier. Ah, oh, c'est super chouette ici. Hein. Oh là là. Si vous venez dans les environs de Pratchwap Kirikan, vous devez vous arrêter ici. Vous n'avez pas le choix, c'est obligé. Il faut s'arrêter ici. Oh, quel bel endroit quand même. Waouh. On n'est pas forcément très très haut. Hein. J'ai été dans des endroits qui étaient bien plus hauts que celui-ci. Mais alors par contre, ah, la vue, elle est super quoi. Hein. On a une vue sur le golfe de Thaïlande. Et puis, on a la vue sur les montagnes au loin, qui sont, à mon avis, pas très très loin de la frontière avec la Birmanie, parce que oui. Alors, après avoir observé les environs de Pratchwap Kirikan sur Google Maps, je pense que ça doit être probablement l'endroit le moins large de la Thaïlande. Parce qu'on a Pratchwap Kirikan qui est le long du golfe de Thaïlande, et juste à, je sais pas, c'est peut-être à 30 ou 40 km, et encore, même pas sûr, hein, on a la frontière avec la Birmanie ou le Myanmar. Rien en fleurs, hein. Je suis désolé. Mais alors ça sent très très bon, j'adore ça, vraiment c'est super chouette. Et alors honnêtement c'est pas du tout compliqué, même si vous n'êtes pas sportif, il y a des marches, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je crois qu'il est l'heure d'aller prendre un café, j'en ai bien besoin. Espérons que la descente se passe aussi bien que la montée. J'ai mon bâton de Jedi. Un grand merci au monsieur qui m'a prêté son bâton, là. Ça se trouve, j'aurais été agressé par les singes si j'en avais pas eu. Attention, les gars, je suis armé, hein. Je ferai usage de la force si nécessaire, hein, moi, je vous le dis, hein. Non, non, tu montes pas sur mon sac à dos, toi, hein. Je t'ai vu, hein. Alors, je crois que c'est la première fois que je vois autant de singes au même endroit, hein. Ah, ils sont archi nombreux. Oh, il est fat, lui. Oh là là, regardez, il est énorme. Mais combien il y en a ici, c'est incroyable. Tout à l'heure, je lisais un commentaire sur Google Maps au sujet de cet endroit. Et il y a une personne qui disait « Ouais, on nous avait dit qu'il y avait plein de singes, on n'en a pas vu un seul. » Eh ben ouais, fallait te lever plus tôt. Il est probable que dans la journée, quand le soleil tape, hein, à mon avis, ils restent pas là. Hein. Mais là, ils sont encore à l'ombre, il fait bon, ils sont bien là, sur les marches. Faut juste pas venir ici à 14h, quoi. J'ai vraiment adoré cet endroit. J'ai pas eu besoin d'aller bien loin pour y accéder, vu que c'est en pleine ville. Quand vous arrivez dans des plus petites villes en Thaïlande, souvent les endroits sympas à voir, bah c'est pas dans la ville. Hein. Il faut en sortir et il faut bouger tout autour. Là, magnifique, en plein dans la ville. Génial, faut venir ici. Hein. Moi, je vous le dis, il faut que vous veniez ici. Café, café. Il est temps d'aller rendre le bâton à ce gentil monsieur. Il m'a bien dépanné pour le coup. Le bâton a un vrai effet dissuasif hein, sur les singes, hein. Je l'ai vu dans leurs yeux. Hein. Ok. Allez, c'est l'heure du petit déj. Bon décap. Bye bye, ça va décap. Ah, je vais me mettre à l'extérieur, il fait bon là. Il est super bon cet œuf. Il y a du fromage fondu à l'intérieur. Et du bacon, même des petits oignons. Mmh. Le café plus l'œuf avec les toasts m'aura coûté 139 bahts.
C'est fou, hein, il est que 8h30 et j'ai l'impression déjà d'avoir fait des tonnes de trucs. Eh, c'est ça de se lever à 5h, hein. J'ai pas l'habitude, mais ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait peut-être que je me lève un petit peu plus tôt. Alors, je vais me rendre pas très loin d'ici. Il y a un temple situé à quelques kilomètres d'ici que j'ai vraiment envie de voir. Me voilà arrivé au Wat Awanoi, situé à, je dirais, 5 km à peu près de Prachuap Kirikan. J'ai le temple juste devant moi et c'est la première fois que je vois un temple comme ça. Ça a vraiment beaucoup, beaucoup de gueule. Hein. Malheureusement, ils font des travaux, mais ça, maintenant, vous avez l'habitude. Hein. Allez, je fais pas durer le suspense plus longtemps, je vais vous montrer ce temple. Magnifique. Comme vous pouvez le constater juste derrière moi, ce temple est entièrement en bois. Évidemment, je sais qu'il existe des temples en bois en Thaïlande, hein. Probablement beaucoup, vu le nombre de temples qu'on peut trouver ici. Mais personnellement, c'est la première fois que j'en vois un, donc ça me fait très très plaisir. Oh là, qu'est-ce que c'est beau! Les nagas qui entourent l'enceinte du temple sont également magnifiques. Naga 9 têtes, King Naga, le roi Naga. Ils sont vraiment très très impressionnants. Les oiseaux font leur nid dans la bouche des nagas. Qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau Bob? Celui que j'avais précédemment était un peu trop petit, hein, vous aviez dû probablement le constater. Et je suis tombé sur celui-ci l'autre jour, et là, c'est la bonne taille. Voilà, là c'est impeccable. Bien ou pas? Moi j'aime bien. Les peintures fixées sur les murs du temple, c'est des panneaux en bois qui ont été sculptés et ensuite peints. Il y a une quantité de travail incroyable sur chaque panneau là. On le verra pas super bien avec ce que j'ai pu filmer avec mon téléphone parce que bon, il fait un peu sombre à l'intérieur. Mais je peux vous assurer que la quantité de détails là sur chaque panneau, et quand on pense que tout est entièrement sculpté, tout ce que vous voyez dessus, c'est sculpté et ensuite ça a été peint par-dessus. Incroyable. Si on observe bien ce qu'il y a à l'intérieur du temple, on peut trouver la tour Eiffel. Et oui, j'étais très surpris de la voir. Mais il faut bien chercher quand même. Enfin, dernière chose étonnante, en tout cas de mon point de vue, c'est les statues de Bouddha. Ces statues sont en marbre. J'avais jamais vu encore. Il y a probablement d'autres temples où on peut en trouver, mais moi en tout cas, c'est la première fois que j'en vois. Ah, ce temple me fait très très plaisir. Je découvre plein de nouvelles choses ici. Ça, c'est cool. Alors, c'est pas fini. Apparemment, il y a un escalier quelque part dans les environs qui permet de grimper. The Buddha this way, you turn left. Yes, okay. But you can go up. Uh-huh. But not nothing there, just a building. Okay, come up. Thank you. Ah, ici aussi on peut monter. Oh là 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 là. Ça me plaît grave. Ah, oh, regardez ça comme c'est chouette là avec tous les bateaux. Alors ce que j'apprécie beaucoup aussi là, c'est que depuis ce matin, j'ai très peu roulé et j'ai vu plein de super trucs sans avoir besoin de faire 40-50 km pour m'y rendre. Alors ça, c'est super. Ça me fait du bien, vous voyez. Ouh, ils font la gueule les escaliers. Ça, je le vois souvent, enfin souvent, assez régulièrement, on va dire, sur les routes. Des portions de route qui se détachent sur les côtés. Alors je sais pas trop à quoi c'est dû. Est-ce que c'est la qualité de leur béton qui fait que ça fissure facilement, je sais pas. Si vous roulez pas mal en Thaïlande, ce genre de choses, vous le voyez quand même de temps en temps sur la route. Hein. Alors là-bas, tout au loin, je sais pas si c'est avant les montagnes, à mon avis, c'est derrière les montagnes, se trouve la Birmanie. Ah, ça commence à devenir intéressant.
Eh oui, cette fois-ci, j'ai ma frontale maintenant, elle est toujours dans mon sac à dos. C'est la première fois que je vais l'utiliser, je suis bien content de l'avoir. Ça, c'est du thaï, bon bah ça, c'est de l'anglais, hein, évidemment. Et ça, si je dis pas de bêtises, ça doit être du birman. Ça montre quand même qu'on est vraiment pas loin de la frontière. Et j'ai déjà vu plusieurs panneaux dans le coin qui étaient à la fois en thaï et en birman. Oh là, c'est là ? Ah mais y a pas besoin finalement. Ah il est là. Vous voyez un peu l'expression de Bouddha, elle est très très neutre. Hein. Il n'a pas un air sévère, il n'a pas un air heureux. Le détachement complet. Alors, la grotte continue. Qu'est-ce que c'est que ça? Un empilement de cailloux sur une chaise. Aucune idée de ce que ça peut être. Ah, mais il y en a un autre! Celui-ci a l'air déjà plus heureux que le premier. Je peux distinguer un léger sourire quand même sur son visage. Et la grotte continue ici. Royaume pour une paire de baskets. Eh ben oui, elles étaient encore mouillées ce matin. Non mais cette grotte est gigantesque, c'est incroyable. Cet endroit est incroyable. Hein. Je vais de surprise en surprise ici. La grotte est bien plus grande que ce que j'imaginais. Ouais, faut que je vous montre ça, quoi. C'est génial. Ça continue à grimper. Allez, hop. Ah, mais par contre, ouais, ça grimpe vraiment fort. Ça fait un peu projet Blair Witch, hein, vous trouvez pas? Oh, c'est un endroit incroyable, hein, vraiment. Alors par contre, ce qui m'inquiète, c'est pour redescendre, parce que là, c'est très très pentu. Et avec mes claquettes, va vraiment falloir que j'y aille tout doucement. Je vais ranger le téléphone, j'ai besoin de mes deux mains. Eh oui. C'est la sauvette tendue. Ok. Attention les amis, si vous venez ici et que vous allez au bout de la grotte, faites gaffe quand même sur la toute dernière partie. Il faut vraiment y aller tout doucement. C'est une marche de la mort. Hello. Hello. Sawadikap. Where I come from? I come from France. All France. Yes. French guy. Paris Saint-Germain. Yes, Paris Saint-Germain. Mbappé. Neymar. Mbappé. Everybody knows Mbappé in Thailand. I like born Paris Saint-Germain. Alors, lequel je choisis? Ah, on va prendre le doré, il est plus stylé quand même. Thank you.
Je le répète, ce temple est génial. En plus, il est situé vraiment au bord de mer. Attendez, je vais vous montrer. Là, je viens de redescendre de la grotte. Voilà, juste derrière moi. Bah oui, il y a la mer. Chouette endroit, vraiment. C'est l'heure du petit café latte, 40 bahts, même prix dans un 7-Eleven, c'est pas cher, hein. Exactement ce qu'il me faut pour retrouver un regain d'énergie. Bon, faut que j'aille faire ma lessive. Je suis rentré à l'hôtel, j'ai pris une bonne douche et ensuite je suis venu à la laverie. Combien ça coûte de laver son linge dans une laverie automatique en Thaïlande? 40 bahts pour laver le linge et 40 bahts pour le faire sécher. Ici j'ai de la chance, c'est rapide, une demi-heure pour laver le linge, une demi-heure pour le sécher. Donc du coup je suis resté sur place, j'ai été me prendre un truc à boire au 7-Eleven. J'en ai profité pour répondre à certains de vos commentaires. Et oui, c'est ça aussi hein, de voyager en Thaïlande, hein. Faut bien laver son linge. Hein. Je commence à être un petit peu fatigué, hein, normal, je me suis levé à 5h ce matin, j'ai pas l'habitude. Donc une fois que mon linge sera lavé, je vais rentrer à l'hôtel, je vais commencer le montage, parce que j'ai beaucoup d'images hein, pour aujourd'hui. Il est l'heure d'aller manger. Alors j'ai changé de vêtements, car j'ai pris la saucée tout à l'heure en rentrant de la laverie automatique. Il n'avait pas plu jusqu'ici. Je monte sur la moto, je démarre, je fais quoi, 200 mètres, et là ça commence à tomber pas trop fort. Je me suis dit bon, j'ai à peine 4 km à faire. C'est bon quoi. Bah non, ça n'a pas été bon, je suis arrivé, j'étais trempé. Ah, ça commence à devenir récurrent là, tous les jours, j'ai droit à la douche. Hein. J'ai trouvé où je vais manger ce soir, enfin non, je vais probablement manger à l'hôtel, mais j'ai trouvé où je vais acheter à manger, juste derrière, il y a un marché de nuit. Et moi, les marchés de nuit, je peux pas résister, j'en vois un, il faut que j'y aille. J'espère que je vais voir des nouvelles choses, des choses que je connais pas. J'aimerais bien tester des nouveaux trucs ce soir, ça serait cool. Il est très très grand ce marché de nuit. Ah, il s'étend sur plusieurs centaines de mètres et des deux côtés en plus. Alors, j'ai déjà repéré des trucs que j'aimerais tester. Bah, il y a trop de trucs là. Hein. Plus vous avez de choix et moins vous arrivez à vous décider. Hein. En tout cas, moi, c'est comme ça. Oh là 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 là. Ah, mais j'aimerais tout tester, mais bon, je me connais, à chaque fois, je prends trop à manger. J'ai toujours du mal à finir. Je vais essayer de prendre uniquement des choses que je ne connais pas ce soir. Voilà. J'ai mon dessert. Quand j'ai vu ça, j'ai pas pu résister. Alors, j'en ai jamais mangé. Alors, j'ai mon deuxième dessert. Oui, je suis très sucré ce soir. Je ne vous ai pas montré ce que j'ai pris. Je ferai un petit déballage à l'hôtel. Je suis de retour dans ma chambre d'hôtel et j'ai mis en place un dispositif absolument exceptionnel pour que vous puissiez pleinement profiter de ce que j'ai acheté au marché de nuit. Donc, vous me voyez ici à la caméra. Ici, vous voyez ce que je vais manger. Je peux pas faire mieux avec ce que j'ai. Alors, on va commencer avec ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question. La dame m'a dit que c'était du poisson fish. Ça me rappelle ce que j'ai mangé à... Je sais plus. C'est très très bon ça. Du poisson. Moi je pense qu'il y a de l'œuf hein, dedans, mais je me trompe peut-être. Beaucoup de basilic. Un peu de piment. Alors ça, c'est excellent. Alors, le prochain plat, ce sont des saucisses frites. Et j'ai l'impression qu'il y a de l'ail, alors je sais pas si c'est à l'intérieur ou si elles explosent quand elles sont passées dans l'huile bouillante. Alors en général, ça se mange avec des concombres, ça c'est du gingembre et des petits piments. C'est très croustillant. Ouh, ils sont forts ces piments. Oh, oh, oh. Alors je sais pas quels sont ces piments qu'elle m'a donnés. J'ai l'habitude hein, d'en manger des petits piments comme ça crus. Et ceux-là sont particulièrement petits, mais ils sont aussi particulièrement forts, hein, plus que d'habitude. Hein. Cette petite saucisse, elle a une particularité, c'est qu'elles sont un peu aigres, si vous voyez ce que je veux dire. Hmm. Par contre, on a un problème avec ces piments. Hein. C'est pas possible qu'ils soient aussi forts. J'en ai mangé un paquet hein, des piments comme ça depuis que je suis là, mais ceux-là, oh là là. Hmm. Ouais, ils sont costauds. Hein. Ouh. Alors ça, c'était pour la partie salée.
Et maintenant, on va passer au sucré, une tarte à l'œuf. Enfin, c'est comme ça qu'ils l'appellent ici, en anglais en tout cas, egg tart. Pour ceux qui connaissent un petit peu la gastronomie portugaise, ou qui sont d'origine portugaise, ou qui sont portugais, ça leur fait forcément penser à quelque chose, hein. Ah oui, parce que pour la petite histoire, c'est quand même les Portugais qui ont ramené cette recette ici, hein. Et ça a ensuite été adopté par beaucoup de pays en Asie. C'est très 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 loin des pastéis de nata. Ouais. On n'a pas du tout le croquant de la pâte. Ouais, la crème également, ça n'a rien à voir. Là, on est plus sur une espèce de crème aux œufs. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors, j'espère que ça sera le meilleur. Ah oui. Parce que quand je suis passé à côté du stand, j'ai vu ces espèces de petites galettes. J'ai vu qu'elles étaient vertes. En général, quand c'est vert en Thaïlande, il y a du pandan dedans. Et le pandan, c'est vraiment mon kiff. Qu'est-ce que ça vaut? Ça, c'est archi validé, direct. Il y a des morceaux de coco dedans. Au niveau de la texture, je pense que c'est de la farine de riz qui est utilisée. Parce qu'on a cette espèce de texture mi-gluante, mi-caoutchouteuse. Et on a le goût du pandan qui vient sublimer tout ça. Ah ouais, mais ça c'est trop bon. Oh, si j'avais su, j'en aurais pris plus, hein. J'en ai eu pour 105 bahts. Alors ça, c'est vraiment la découverte de la journée, hein. Si je devais refaire ce repas, je ne prendrais pas les petites saucisses frites. Ça a été une erreur de ma part. Je suis passé à côté du stand, j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, j'ai jamais vu ça encore. Ça sentait bon en plus. Mais les saucisses étaient vraiment trop aigres, hein. Les bâtonnets avec le mélange de poisson, basilic, piment, vraiment très bon, ça j'en reprendrai, ça c'est sûr et certain. La tarte aux œufs, bah ça passe, mais vraiment rien de fou, hein. C'est, ça n'a pas trop de goût. La pâte est plutôt molle, donc c'est pas... voilà, c'est sucré. Voilà, moyen. Les petites galettes de pandan, alors ça par contre, c'est la révélation ça. Ah, vous pouvez être sûr que quand je vais retomber dessus dans un night market, je vais être obligé d'en prendre, hein. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à demain pour de nouvelles aventures à Pratchwap Kirikan.